Pas oublier dans la série de vidéos, ça va nous permettre que, ensemble, nous arrivions à comprendre qui sa adoration lui-même lié. Donc, si on a envie de connaître qui sa adoration y est, on a envie de gagner une idée claire de adoration pour permettre que vous adorez le Seigneur. Puis, bien, chaque jour, donc, moi, invité aux capacités connectées. Dans la vidéo qui passe, à noter, vous voyez un mot hébreu qui c'était Ségad qui te définit adoration. Je dis à nous, vous voyez un deuxième mot hébreu qui permet que nous arrivions à comprendre le sens de l'adoration, c'est le mot abad. A-B-A-D. C'est le deuxième mot qui a aidé nous comprendre le sens de l'adoration. Abad. Abad veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. Travailler, œuvrer ou servir Dieu. Donc, ici, le mot abad fait nous penser que, fait nous, ouais, adoration, dans le sens que tout ça m'a fait pour bon Dieu, avec un cœur sincère, toute tâche que m'a accompli pour bon Dieu, avec un cœur sincère, donc c'est de l'adoration. C'est un acte d'adoration. Donc, adoration pas résumé avec le moins vine dans le temple, moins vine chanter. Mais tout ça m'a fait pour le Seigneur avec cœur, avec amour, avec détermination. C'est un acte d'adoration. D'ailleurs, un adorateur, c'est un serviteur. Et mot serviteur, là, il vient dans un mot grec qui c'est doulos. Être un doulos de Dieu. Donc, doulos, ça veut dire esclave. Esclave. Donc, yon adorateur, c'est yon esclave bon Dieu. Yon adorateur, c'est yon qui au service de Dieu, yon qui à l'écoute de Dieu. Yon adorateur, c'est yon qui là, qui tes oreilles attentives avec l'ordre que bon Dieu li vle passer à lui-même. Donc, c'est ça yon adorateur. Donc, yon adorateur, c'est pas yon monde qui a mené ville n'importe comment. Mais c'est un monde qui a mené une ville droite, qui a mené une ville conforme à la parole de Dieu. C'est un monde qui l'a pour capable recevoir l'ordre dans main bon Dieu. C'est ça, un adorateur. Donc, nous voyons un mot hébreu encore aujourd'hui, qui aide nous comprendre le sens de l'adoration, c'est le mot abad, qui veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. Et moi, toujours pour un petit temps ça, le moins a fait formation avec l'équipe de louange pour encourager tout le monde qui a un travail qu'il a fait pour le Seigneur, pour yo bannir toutes sortes de négligence dans ça a fait pour bon Dieu. Donc c'est un acte d'adoration. Si vous balayez l'église là, c'est un acte d'adoration. Si vous chantez dans le chorale là, c'est un acte d'adoration. Si vous visitez monde qui malade, c'est un acte d'adoration. Que lié. Donc, peu importe ce qu'on a fait pour le Seigneur, fais-le avec un cœur sincère. Peu importe ce qu'on a fait pour bon Dieu, même si on comprend ou même si on pas comprend, on en sait fait, mais on pas fait pour pasteur l'église là. On pas fait pour diacre là, on pas fait pour prédicateur là, mais on a fait pour le Seigneur. Et puisque on a fait pour le Seigneur, on comprend que ça c'est un acte d'adoration que lié, fais-le avec amour. Fais-le avec amour, amour, amour. Tout ça va faire pour bon Dieu, fait avec amour. Et c'est qu'on ça va besoin une bénédiction extraordinaire dans ça qu'il va faire. Je dis à noter, ouais, il y a un deuxième mot hébreu qui c'était abad. Donc, sur deux mots hébreux, premier mot hébreu, c'est ségad. Si vous pouvez voir l'autre vidéo qui était venue avant, nous inviter au capable pour comprendre le mot ségad. Je dis à noter, ouais, le mot abad.